Bon, la cérémonie du veto. Je vais commencer avec José et Vicky. Ça fait 5 jours qu'on vit le même calvaire de ne pas pouvoir manger de la bouffe. Donc, j'ai décidé de ne pas vous marquer tout de suite. Ça fait un stress de moins. Marie-Hélène, tu as eu une semaine difficile la semaine passée. Donc, cette semaine, ça va en être une plus facile. J'ai décidé de ne pas te marquer. Stéphanie, je m'entends très bien avec toi. J'aime beaucoup ta joie de vivre dans la maison. Tu n'es pas une personne qui est négative. J'apprécie beaucoup. Donc, je choisis de ne pas te marquer. Éric, je t'apprécie beaucoup dans tes moments sérieux. Il y en a. Et c'est là que je t'apprécie le plus. J'ai choisi de ne pas te marquer. Et Vinny, on s'entend très, très bien nous autres aussi. C'est sûr qu'on ne se parle pas beaucoup dans la maison. Encore moins cette semaine parce que tu es associé à la bouffe et je ne veux vraiment rien savoir de cette partie-là de la maison. Et j'ai choisi de ne pas te marquer. Donc, cette semaine, j'ai choisi de ne pas changer les marquages. Bon, je vais pas m'éterniser. Cette semaine, j'ai parlé à chacun d'entre vous. Je vous ai expliqué un petit peu ce que je pensais de vous. Fait que je vais faire ça très, très bref. Vicky, je sais que la semaine est tough, mais t'es hot. T'es une petite tigresse. Fait que je suis pas inquiète. Tu vas passer au travail. Te reste 3 jours, puis c'est fini. Après ça, on recommence à manger. Ça va bien aller. Fait que j'ai décidé de t'épargner et de pas te marquer. Mamie, même chose pour toi. Je sais que c'est rough, pas de café. Mais gars, tu réussis à être de bonne humeur quand même. Ça, j'apprécie énormément. Fait qu'on lâche pas non plus. T'es là encore pour une semaine. J'ai décidé de pas te marquer. Vinny boy, écoute, moi j'ai du fun. Surtout quand tu bois de l'alcool. Écoute, tu divertis mes soirées pas à peu près. Ça me donne de quoi jaser. J'ai décidé de pas te marquer. Ah, Eric, Eric. Que dire de toi, Eric, à part qu'on t'apprécie beaucoup, autant dans ta folie que dans tes moments plus sérieux, fait que j'ai décidé de te garder encore. Marie-Hélène, la semaine passée, ça a été tough, mais cette semaine, tu t'es repris. J'apprécie énormément. Ça montre que tu as de la volonté, fait que j'ai décidé de pas te marquer. Stéphanie, ben là, écoute, on prend des faux plis à force de se tenir avec nous autres. Sur qui je pourrais fesser si jamais tu serais pas là? Fait que j'ai décidé de ne pas te marquer. Alors, j'ai décidé de ne pas utiliser mon veto cette semaine et de laisser le marquage comme il est présentement. Alors, je conclue comme ça la cérémonie du veto. That's it.